Alors, je précise que nous sommes ici dans une zone urbaine très fréquentée de plus de 400 000 habitants. Des oiseaux, des petits mammifères, des bactéries, des anélides, des arthropodes vont manger ces épluchures de légumes, les restes de fruits, les grains de riz, de grains de blé, les miettes de pain, de coquilles d'œufs, etc., etc. En faisant ainsi, vous contribuez également à la constitution de ce qu'on appelle l'humus et vous interagissez avec la biodiversité du sol. Je trouve que les ronciers sont particulièrement pratiques pour jeter les déchets alimentaires parce que, comme vous pouvez le constater, les détritus disparaissent dans la végétation. Il reste quasiment qu'une peau de clémentine de visible et d'ici quelques instants, elle tombera à l'intérieur du roncier. En plus, les ronciers sont des espaces difficilement accessibles aux prédateurs comme les renards et les chats. C'est d'ailleurs peut-être une des raisons pour lesquelles les petits oiseaux se cachent dans ces ronciers et même y font leur nid pour certains. Enfin, les ronciers sont en plus des espaces inaccessibles aux humains, donc vous êtes sûr de ne pas salir à un espace utilisé par quelqu'un. C'est important, je trouve, de respecter la joliesse des espaces naturels, de plus en plus rares en milieu urbain périurbain. Votre voisin de quartier n'a pas forcément envie de voir vos épluchures de pommes de terre alors qu'il vient se détendre l'esprit, fumer une cigarette et faire quelques pas dans ce qui est l'équivalent du poumon vert du quartier ce sont peut-être ces quelques moments de sérénité qui lui permettent de supporter sa vie de salarié, ses crédits sur le dos et ses angoisses d'humain. quand un éléphant mange des fruits dans la jungle, il en digère une partie et défaque le reste. des oiseaux, des arthropodes, des mammifères, etc., viennent ensuite manger les morceaux non digérés qui les intéressent. ce que je viens de montrer, c'est la même chose. Les sacs poubelles en plastique empêchent les petits animaux et les bactéries aérobies de venir manger ce qui les intéresse. Et au final, les sacs plastiques vont être enterrés avec des tonnes d'autres sacs plastiques. Ça coûte très cher au peuple et à l'environnement de créer ce genre de décharge. Et ça entraîne des phénomènes biologiques parfois considérés comme nuisibles pour la biodiversité. Par exemple, l'explosion des populations de goélands argentés. On va dire que mon seau contenait environ un kilogramme de matière organique. Dans mon foyer, ça représente les déchets de deux personnes en cinq jours environ. L'essentiel de cette masse étant de l'eau d'ailleurs. D'après l'INSEE, je vous mets la source exacte dans la description, il y a environ 26 millions de personnes qui ont entre 20 et 50 ans en France métropolitaine en 2017. En conséquence, si une personne sur 10 de ces 26 millions recycle ses déchets alimentaires plutôt que de les mettre dans la poubelle ordinaire, ça fait un total de 100 000 tonnes par an environ. 100 000 tonnes qui n'ont pas besoin qu'on achète et entretienne des camions poubelles, de payer des chauffeurs, de créer ou d'agrandir les locaux à poubelles malodorants des résidences, de creuser des décharges, de créer des incinérateurs, etc., etc. 100 000 tonnes qui n'ont pas besoin d'être mises dans des sacs plastiques. 100 000 tonnes qui vont nourrir la biodiversité de nos rares espaces naturels restants en milieu urbain. Et je ne te parle même pas des périodes de fête pendant lesquelles la quantité de déchets alimentaires explose. Pour les morceaux de viande, je trouve que c'est plus délicat parce qu'ils peuvent être mangés par des chats, des renards, des chiens, des rats. Nourrir les chats et les chiens n'est pas forcément une bonne idée. Les chats et les chiens domestiques sont de très gros prédateurs pour les rares oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens sauvages du coin. Est ce que c'est sain pour les chats et les chiens domestiques du quartier de compléter leur alimentation avec des bouts de déchets trouvés dans un fourré? Et pour les chats et les chiens sauvages, est ce que c'est une bonne idée de les alimenter de la sorte? Les chats et les chiens sauvages sont d'encore plus efficaces prédateurs que les chats et les chiens domestiques. Et un chien sauvage c'est un animal pas du tout désiré en milieu urbain. Sa présence a de fortes chances de se terminer mal pour tout le monde. Euthanasie pour raison sanitaire, morsure d'un passant, attaque sur un chien domestique, etc. etc. Alors parlons des rats maintenant. Je n'ai pas de problème avec les rats, mais certaines personnes en ont peur, et ils peuvent véhiculer des maladies graves comme la peste bubonique, par exemple. Mais rappelons quand même que les Homo sapiens, les humains, véhiculent eux aussi la peste. On va pas pour autant commencer à éradiquer les humains. Et rappelons aussi que rien qu'à Paris, on estime que 800 tonnes de déchets sont éliminés par les rats dans les égouts chaque jour. Je te mets la référence que j'utilise dans la description sous la vidéo. Y a-t-il des épidémies pour autant à Paris à cause de maladies véhiculées par les rats Et je pourrais argumenter qu'une ville où les rongeurs sont nombreux et non porteurs de maladies dangereuses pour l'homme c'est peut-être un exemple de ville de progrès, d'une civilisation avancée. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît mettre un j'aime à cette vidéo C'est très très important pour moi. Si vous cliquez sur j'aime, vous encouragez YouTube à recommander cette vidéo à davantage de spectateurs. Si vous cliquez sur j'aime, vous me permettez de continuer à publier des vidéos. Je vous invite à vous abonner et à préciser dans les commentaires les informations que vous jugerez utiles. Parfois un spectateur partage dans les commentaires une solution qu'il a expérimentée. Cela m'arrive régulièrement de citer cette personne, de consigner sa solution alternative en la copiant collant dans la description sous la vidéo. Les messages de soutien sont également un carburant très précieux pour moi, les commentaires contenant des insultes seront supprimés et les injurieux récidivistes seront bannis de la chaîne. Pour toute demande personnelle, mon mail est dans la description. Vive la débrouille, vive la liberté et à tout de suite.